Les vêtements éthiques. Salut Céline. Ah, salut. Ça va? Oui, super. Bon, tu es toujours partante pour une virée shopping dans les magasins de vêtements? Ah oui, j'ai plus rien à me mettre, c'est la catastrophe. Mais j'ai déjà fait un tour l'autre jour et je trouve qu'il n'y a rien dans les magasins. Tout se ressemble. Attends, tu sais, j'ai entendu parler d'une toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. C'est une boutique de slow fashion. Il paraît qu'elle est géniale. Quoi? Qu'est-ce que c'est la slow fashion? Bon, c'est une nouvelle tendance qui pousse les consommateurs à mieux réfléchir avant d'acheter des tonnes de vêtements pas chers, mais qui seront jetés rapidement et qui polluent. Et autre chose, il semble que tu puisses louer tes vêtements dans cette boutique. Quoi? Oh là là! Consommer responsable, tu sais que ça me plaît. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très fiable. Est-ce que les vêtements sont dans un état parfait après avoir été portés plusieurs fois par d'autres personnes? Mais oui! De toute façon, il y a des garanties. Les vêtements disponibles dans la boutique ne sont pas en mauvais état. Ce n'est pas une boutique de vêtements deuxième main. Il paraît que le prix de la location couvre toutes les réparations à faire sur les vêtements si c'est nécessaire. Donc, tu peux louer des vêtements pendant quelques mois, puis les rapporter quand tu en es fatigué, si tu veux. Et un autre argument choc, c'est que ce sont uniquement des créateurs locaux qui créent les modèles. Et en plus, ils n'utilisent que des tissus végétaux, bio et équitables. Je ne pense pas que tu aies la possibilité de trouver ce genre de vêtements ailleurs. Bon, allons faire un tour dans cette boutique alors. Par contre, il est possible que je ne choisisse pas tout de suite la location, même si je trouve que l'idée est intéressante. On peut juste prendre quelques informations. Oui, on va sûrement réfléchir un peu avant de tenter l'aventure. Mais je suis certaine qu'on trouvera des merveilles et qu'on y reviendra au final.